Donc, vous savez que d'après le Rambam, c'est pas sûr qu'il y ait une mitzvah de Teshuvah. Parce que dans le Rambam, c'est marqué au début des lois de la Teshuvah, Kesheyase Teshuvah ve Yashuv Mecheto, Chayav Leitvadot. Lorsqu'il fera Teshuvah et qu'il reviendra de sa faute, il faut qu'il fasse un vidouille. Pourquoi Bémet, il n'y aurait pas une mitzvah de Teshuvah? A priori, la mitzvah de la Teshuvah, elle est marquée dans la Torah, ve Shafta ad Hashem Elokecha. Et tu reviendras vers l'Éternel, ton Dieu. D'ailleurs, la haftara d'hier, qui s'appelle Shuva, qui donne le nom au Shabbat Shuva, elle dit Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Il faut revenir, Israël, peuple juif, ad Hashem Elokecha, jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. Alors, il y a plusieurs explications. Une explication, je crois qu'on l'avait déjà énoncé ici, c'est que la Torah, quand elle propose des mitzvot, elle propose des mitzvot pour quelqu'un qui applique les mitzvot. On va donner un exemple. Et j'avais donné cet exemple exprès pour faire sourire, mais en même temps, ça fait réfléchir. Si quelqu'un, il a volé, il y a marqué dans la Torah qu'il est obligé de restituer l'objet. Vejiv et agazela, cher gazal. Et il restituera l'objet qu'il avait volé. Est-ce que quelqu'un va dire, pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot, je vais voler, pour pouvoir faire aussi la misère de restituer l'objet, parce que la Torah, elle m'enjoint à restituer un objet. Ça serait bien ridicule. Quelqu'un dit, non, moi je suis mahmir. Comme je n'ai jamais fait cette mitzvah-là, je vais voler au moins une fois. Comme ça, c'est sûr que non. Pourquoi? Parce que la réparation d'un dommage, même si elle est prescrite par la Torah, ce n'est pas une mitzvah en soi, c'est une réparation. Il y en a qui veulent dire que, d'après le Rambam, la raison pour laquelle il n'y a pas de mitzvah de Teshuvah, c'est tout simplement parce que c'est normal de réparer. C'est normal de corriger ce qu'on a fait. Il y en a d'autres qui vont dire que la Teshuvah, c'est une promesse. On voit que c'est extraordinaire de voir le monde qui fait Teshuvah. Et plus encore dans une génération qu'avant. On voit des gens, on n'aurait même pas imaginé qu'ils puissent faire Teshuvah. On a expliqué il y a quelques semaines que Béhémet, Kadjoubourou, il va chercher les gens très loin pour les amener à faire Teshuvah. Avec cette fameuse histoire qu'on a racontée la semaine dernière, ou il y a deux semaines, ce fameux chassid qui s'est retrouvé en prison, tout ça pour proposer à quelqu'un de pouvoir faire Teshuvah. Il n'en reste pas moins que d'après toutes les opinions, il y a une mitzvah qui est formelle, qui est obligatoire, c'est la mitzvah de vidouille. La mitzvah de vidouille, c'est la mitzvah du repentir. En français, il y a un mot qui n'est pas très agréable, qui s'appelle le fait de confesser, mais en hébreu, le mot vidouille, il vient du mot léodot. Reconnaître une erreur, mais pas seulement dans son cœur, énoncer, dire quelque chose. Cette mitzvah-là, bien entendu, le jour de Yom Kippour, on fait beaucoup de vidouille. On fait Shamnu, Baganu, c'est ça le vidouille. Mais il faut savoir, et c'est ce qui va concerner un petit peu notre sujet aujourd'hui, c'est un article dans Shulchan Aruch qui nous parle d'un vidouille qu'on doit faire avant Yom Kippour. Ce vidouille, il est à faire normalement avant la Seudah Mafseket. Avant la Seudah Mafseket, je vous rappelle que la Seudah Mafseket, c'est le repas d'interruption après lequel, normalement, on ne mange plus rien. Alors, il faut savoir que Béhémet, ce vidouille-là, il est à réaliser donc avant la Seudah Mafseket pour deux raisons. Pourquoi? La première raison, c'est parce que comme on fait un très bon repas, puisque comme on le sait, celui qui mange bien la veille de Yom Kippour, non seulement il mange bien, il est repu, mais en plus, ça lui vaut comme s'il avait jeûné à la place d'avoir mangé. Imaginez-vous que si c'était un slogan pour un régime, ça serait extraordinaire. Mangez bien, et Be'ezrat Hashem, c'est comme si vous aviez jeûné un jour. Alors là, Be'emet, c'est ce qui est marqué dans Chazal, celui qui vient jeûne le jour du Yom Kippour, c'est comme si Be'emet, celui qui mange bien la veille du Yom Kippour, c'est comme s'il avait jeûné à la place d'avoir mangé. Mais on sait bien donc que cette Seouda-là, quelque part, c'est comme si c'était la Seouda de la fête. Et donc, il y en a qui vont boire un peu de vin, il y en a qui vont bien manger. Et on a peur, premièrement, que si quelqu'un s'enivrait durant ce repas-là, il ne puisse ensuite faire le vidouille comme il faut. Or, il est ridicule d'arriver à Yom Kippour sans avoir fait un vidouille. La deuxième raison, c'est que, comme il y a beaucoup d'accusateurs, quand on est proche d'arriver à certaines délivrances et à certains niveaux spirituels, un petit peu comme on fait par exemple la Shemira le soir qui précède la Brit Mila, on vient et puis on récite, Brit Yitzhak, on protège l'enfant, on prie à côté de lui. Pourquoi? Parce que comme il va rentrer dans l'alliance d'Avraham Avinu, alors il y a des accusateurs. Un petit peu comme le Halach Ma'ania, quand on commence le soir de Pessah, on commence en araméen, pourquoi? Pour que les accusateurs ne comprennent pas. Chaque fois qu'il y a des grands moments, alors il y a aussi des grandes accusations. Et on voit bien que quand il y a des grands événements, il y a toujours des gardiens qui sont un peu ça et là pour essayer de protéger. C'est la raison pour laquelle on a peur aussi que durant ce repas, Chas V'Shalom, il s'étouffe. Ça veut dire que il puisse perdre les possibilités de faire son bidouille après. Il s'agit donc de la mitzvah de bidouille qu'on doit faire avant la Seudah Mafseket. Cette mitzvah-là, c'est la mitzvah du Yom Kippour.
c'est une mitzvah que l'on doit faire durant Yom Kippour, mais qu'on fait aussi donc avant le Yom Kippour, et comme je viens de le dire, avant la Seuda Mafseket. Elle incombe aussi bien aux hommes qu'aux dames. C'est une mitzvah de la Torah de faire un vidouille, et c'est la raison pour laquelle, puisque c'est une mitzvah de la Torah, plus encore que pour d'autres mitzvot, il faut avoir l'intention d'être acquitté. Celui qui par contre a juste lu le vidouille, c'est pas grave, il est aussi acquitté. Celui qui n'a pas eu la possibilité de faire le vidouille avant la Seuda Mafseket. Par exemple, une maîtresse de maison qui est occupée, qui n'a pas pu faire minhag comme elle le voulait, qui n'a pas pu faire le vidouille, puisque, comme on le verra tout à l'heure, le vidouille, il est de manière totalement inédite, inséré au sein même de la prière de minha dans la Amida, donc on va dire à la fin de la Amida. Alors, si elle n'a pas pu le faire, il sera bon qu'elle le fasse après la Seuda, mais avant que la nuit soit tombée. C'est important d'arriver le jour du Yom Kippour en ayant déjà derrière soi fait un vidouille. Si quelqu'un, comme vous le savez, durant les 10 jours de pénitence, il y a des azkarot qui changent, c'est-à-dire des mentions, mais aussi des berachot, des bénédictions qui changent. Les mentions, c'est comme on le sait, Zochreinu lehaim, mi chamocha, chtob lehaim tovim, sefer haim. Et les berachot qui changent, c'est Amelech HaKadosh et Amelech HaMishpat. Au lieu de dire Akel HaKadosh, on dit Amelech HaKadosh. Au lieu de dire Melech Ohev Tzedakah HaMishpat, et malgré le fait qu'il y a déjà une mention de Melech, quand on dit Melech Ohev Tzedakah HaMishpat, on doit dire Amelech HaMishpat. D'après toutes les opinions, celui qui n'aurait pas dit Amelech HaKadosh devra reprendre, et pas seulement reprendre cette petite bénédiction, mais reprendre toute sa Amida. Imaginons-nous que quelqu'un est oublié de dire à Melech HaKadosh le mincha de la veille de Yom Kippour. On sait que puisqu'il n'a pas dit à Melech HaKadosh, il doit reprendre. Cependant, dans sa mincha de la veille de Yom Kippour, il a déjà fait son bidouille. Doit-il ou non, d'après la stricte loi, refaire une deuxième fois le bidouille? Alors Rav Shlomo Zalman Auerbach tranche qu'on n'a pas besoin de refaire le bidouille. Ça veut dire que, puisque ce qui était singulier dans cette mincha, c'était d'ajouter le bidouille, une fois que ce bidouille est fait, même si on doit recommencer la prière de Minha d'après la stricte loi, si nous n'avons pas dit Amel Rekadosh, il n'aura pas besoin de refaire à nouveau le vide. Les minagim des Sfaradim et des Ashkenazim, c'est que dès qu'on arrive à la synagogue assez tôt pour entrer dans l'ambiance de Yom Kippour, les Sfaradim vont dire Lecha Keli, Teshukati, etc. Et les Ashkenazim vont dire la Tfila Zaka. Pourquoi? Eh bien, ces deux textes ont été institués parce qu'ils rappellent le vidouille. D'ailleurs, ce n'est pas normalement des textes qu'on fait avec une ambiance joviale où on rigole et on est heureux, même si c'est des cantilations extraordinairement poétiques et profondes et agréables à entendre, parce qu'on est en train de dire que nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et normalement, même si l'air est très beau et que tout le monde chante ensemble, ça devrait beaucoup plus faire pleurer celui qui les cantile que le rendre comme ça joyeux. C'est super, on est là, Yom Kippour, tout le monde chante. Il ne reste pas moins donc qu'il faut savoir, les Hakeli et Tfilazaka, ces deux institutions pour les Sfaradim autant que pour les Ashkenazim, c'est parce qu'elles sont comme un vidouille. D'après le Benishai et le Hida, donc des Poskim Sfaradim, il serait bon soit de pleurer quand on fait le vidouille, soit au moins de s'adresser à Hachem comme si on pleurait. D'ailleurs, vous savez bien que le fait de faire semblant de pleurer parce qu'on souhaite être ému de quelque chose peut nous amener plus facilement à pleurer. Le minhag des pleureuses qui accompagnaient les corps dans toutes les tfoutsot Israël, dans toutes les régions où le peuple juif était dispersé, et c'est même mentionné dans Shulchan Aruch qu'il y avait des mekonenot et des bochot qui venaient pleurer, qui accompagnaient. C'est pas parce que si elle pleurait, personne pleurait, il y avait qu'elle, il fallait un orchestre, non. Parce que quand quelqu'un pleure, quand on entend pleurer, on pleure aussi. C'est pourquoi c'est bien, quand on fait un vidouille, de s'émouvoir. Et on sait que le chant, il émeut dans la joie quand on chante pour se rendre joyeux, mais aussi, eh bien, quand on gémit un petit peu ou quand on montre des signes de peine, même extérieur, parce que on pleure comme ça, on dit Hacham, pagade nous. Bien entendu, il ne s'agit pas de le faire à voix haute et fort, mais d'avoir un cœur qui accompagne le vidouille. D'après la stricte loi,
Il suffit de lire le vidouille sans avoir besoin de détailler les fautes. Quoi qu'il en soit, il sera permis de détailler les fautes, mais pas à voix haute. Si ce n'est que, lorsqu'il s'agit d'une faute ben adam la havero, un homme vis-à-vis de son prochain, alors, si tout le monde sait qu'il a fait une certaine faute, il n'aurait pas d'interdit d'après la stricte loi de parler à voix haute de sa faute. Par contre, quand il s'agit d'une faute vis-à-vis d'Hachem, même si tout le monde sait qu'il a fauté, ça serait quelque chose qui serait dénigrant de dire à voix haute « J'ai fait ceci, j'ai fait cela à Akadosh Baruch. » Donc on retiendra qu'il n'est pas forcé de l'effaré, de détailler la faute, mais c'est permis de le faire. Quoi qu'il en soit, on essaiera de ne pas le faire à voix haute. Vous savez qu'une des raisons qui faisait un des 10 miracles qui était à Yerushalayim, c'est que lorsqu'on était debout, on était tsafouf, on était très serré, et lorsqu'on était mishtahave, lorsqu'on se prosternait, comme une élasticité du sol, on avait chacun la place. Pourquoi ? Nous disent Hachamim, pour que quand quelqu'un pleurait à Kadosh Baruch Hu et parlait de ses fautes, celui qui est à côté, il n'entendait pas de quoi on parlait. Si quelqu'un a fait une faute qui n'est pas mentionnée dans le vidouille, aujourd'hui, pas seulement il y a des moyens modernes qui nous font inventer des nouvelles avérot, mais des fois, ma foi, le bidouille, il n'est pas toujours le plus détaillé. Alors, il faut savoir que la personne, il est recommandé qu'elle donne les détails de sa faute. Le bidouille doit être récité quand on est debout. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est en bonne santé ou qui n'est pas trop âgé devrait réciter le bidouille avec la condition que si on lui enlevait son petit pupitre ou ce sur quoi il s'appuie, il ne tomberait pas. Si BMF, il s'appuie tellement que si jamais on lui enlevait ce sur quoi il s'appuie, il tomberait, alors BMF, il n'aurait pas honoré les règles du vidouille. Bien entendu, comme on l'a dit, quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui, par son âge, c'est dur des fois de rester longtemps debout à cause du vidouille, alors BMF, il n'y aura pas de problème qu'il s'appuie sans problème donc pour faire le vidouille. Jusqu'où faut-il rester debout pour le vidouille? Jusqu'à ce qu'on appelle Al-Hata'im, Shanahnu Haïm Al-Ehem, Al-Ba'mitot Beddin. Dès qu'on parle, donc après donc, le paragraphe qui parlera des fautes pour lesquelles on eût dû normalement être passible des quatre peines de mort du tribunal rabbinique. Quand le Shedéar Tzibour répète dans une des Amidot le vidouille. Alors ici, il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim, à savoir est-ce qu'on doit répéter avec lui ou non le vidouille. D'après les Sfaradim, on écoutera et on n'aura pas d'obligation de répéter avec le Shedéar Tzibour à nouveau le vidouille. D'après les Ashkenazim, on répète à nouveau le vidouille. On a l'habitude, lorsque l'on fait le vidouille, de frapper de son poing sur le poumon ou sur le cœur. Il y a plusieurs habitudes, donc l'une ou l'autre. L'idée, c'est que c'est le lieu du sentiment qui fait faillir l'homme. C'est la raison pour laquelle on frappe. Bien entendu, étant donné que c'est symbolique, il ne s'agit pas sauvagement, comme parfois certains Baalei Teshuva, on voit dans certains yeshivot, ils sont là et ils n'ont pas encore appris des lois du vidouille, mais ils ont déjà appris que ce qu'ils ont fait pendant des années n'était pas super. Alors ils se donnent presque les coups qu'ils auraient voulu donner à leur Yetzer Hara. D'abord, je ne sais pas si c'est tellement bon pour la santé, mais même spirituellement, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'aurait pas de sens. Si quelqu'un a déjà fait vidouille depuis de longues années, il est très religieux, il a déjà fait vidouille des années passant, une derrière l'autre, des années passent, et puis il a déjà fait vidouille. Il ne va pas faire toute sa vie le vidouille sur les mêmes fautes. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles, malgré tout, le minhag serait de refaire à nouveau le même vidouille. A savoir que d'après la stricte loi, certains vont nous dire « Attends, ça va, j'ai fait l'erreur, j'ai arrêté, maintenant je sais que je ne l'ai pas fait. » Et donc, d'après la stricte loi, il y en a qui vont dire « c'est pas la peine de refaire sur cette faute-ci ou cette faute-là. » Il n'en reste pas moins que le minhag, c'est quand même de refaire. Alors, j'ai vu plusieurs explications là-dessus. D'abord, le Ben Ishraï, il dit, quand on fait le vidouille, on ne fait pas le vidouille que sur notre Gilgoul. On fait un vidouille sur une histoire ontologique d'une âme qui a pu habiter plusieurs corps. Et les Maasé, on sait que si déjà on est dans ce monde-ci, c'est que notre tikkun n'est pas totalement parfait et perfectionné. Et donc, c'est pourquoi, ben, on ne parle pas que au nom de ce que l'on sait, de notre conscience, on va dire, de 70 années, 120 années de cette vie-ci, mais on parle de quelque chose de beaucoup plus profond.
Une autre explication que j'ai vue, c'est que Béhémet, le Beit HaLevi, il nous dit que des fois dans la vie, on ne paye pas seulement pour nos fautes à nous, mais pour les fautes des autres. Et le tzadik, il ne reçoit pas seulement pour les misotes qu'il a fait, mais pour les misotes des autres. C'est incroyable cette injustice. Alors il faut savoir qu'il y a un grand Yosod, un jour on étudiera ça peut-être, du Beit HaLevi, qui dit que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, non seulement il fait quelque chose de bien pour lui, mais le monde il devient meilleur. Et même si personne ne le voit, la force du bien elle grandit. Aussi, et malheureusement c'est inversement proportionnel aussi, dans le sens du mauvais, y a des fois une faute que j'ai faite, puis j'ai fait tchouva. Mais quand j'étais là-bas, peut-être que j'ai initié, encouragé, accompagné celui qui a continué à faire cette avera. C'est pourquoi j'ai encore quelque part une responsabilité de mes fautes, même lorsque j'ai déjà fait un bidouille. Non pas de ce qu'elle me concerne à nouveau à moi, puisque je ne fais plus ces fautes-là, mais ce qu'elle concerne quelqu'un d'autre. Il y a aussi une autre raison qui est absolument élémentaire, c'est que dans la vie, on ne se rappelle pas de tout. Et je veux vous dire plus que ça, c'est quand à la yeshiva, on commence à étudier les lois sur le gazelle, on se rend compte que, même si on pensait qu'on n'avait jamais volé, on a déjà volé. Pire que ça, la Mishnah Brura nous dit dans son introduction sur les lois du Shabbat, celui qui n'a jamais étudié parfaitement les lois du Shabbat peut être certain qu'il aimait Halel Shabbat. Bien entendu, c'est pas méchant. Mais celui qui n'a pas étudié les lois du Shabbat, nous avons étudié par exemple Beit HaMidrash Borer pendant 2 mois, ou bien Kotev pendant... C'est très difficile de savoir comment est-ce que l'on fait ou non attention aux mitzvot. C'est pourquoi Béhémet, le simple fait de ne pas savoir même quand il y a des erreurs, ou de pouvoir avoir oublié ses averot, fait qu'on devra répéter aussi le vidu. Il y a une loi, vous savez qu'à Yom Kippour, donc dans les Amidot, il y a le vidouï. Dans la Amida qu'on récite debout, le vidouï est introduit, inséré. Alors il faut savoir si quelqu'un a oublié. Des fois, par exemple, on arrive, puis, on est pris par des pensées, et on dit, oh, c'est Shalom, c'est Shalom Yiboma. Alors, s'il a oublié de dire le vidouille, il recommencera que le vidouille et pas toute la Amida. Il pourra aussi s'appuyer sur ce que le chaliar tibour, lui, quand il fait la répétition, on va faire le vidouille. Et là, d'après toutes les opinions, au lieu de recommencer toute sa Amida, il s'appuiera, il écoutera, il fera bien le vidouille. Alors, il y a un minag qui dérange un peu, parce que on est très européen, comme ça, civilisé, le minag des malkouyot. Le minag que chacun a pu voir quand il était enfant dans les synagogues, les garçons en tout cas, on voyait qu'il y en a qui se faisaient frapper la veille des yom. Alors, il faut savoir que ce minag des coups, c'est un minag qui est mentionné dans Shulchan Aruch. C'est pas une habitude sauvage d'Afrique du Nord, c'est Shulchan Aruch qui parle de ça. Cette habitude-là, elle n'est pas appliquée par tous, c'est juste un minag. Et le Shulchan nous dit c'est parce que ça éveille à la tchouva. Bien entendu, aujourd'hui, chacun fait un peu ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce que le Sanhédrin n'étant pas encore rétabli, les gens ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus de peine de mort, ils n'ont plus de peine de flagellation. Ma foi, si quelqu'un fait une avéra, ça le regarde, on ne le regarde pas très bien. Des fois, un petit chérem par-ci, petite excommunication par-là, on le prévient, on l'inquiète, mais plus que ça. Puis en plus, si vous l'embêtez un peu trop, il va vous attaquer aux instances publiques pour vous dire « Monsieur, fichez-moi la paix, vous marcelez avec votre Torah, moi je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille. » Il faut savoir que ces habitudes-là rappellent qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Il y a une mehouyavout, il y a un engagement. Et bien, reste Hachem, très bientôt, bimera biyamenu, quand le Beit HaMikdash sera reconstruit, quand le Sanhedrin siégera, quelqu'un qui se comporte mal, il devra rendre compte déjà ici-bas, puisque la Torah donne certains droits au Beit Din de 3, au Beit Din de 23, au Beit Din de 70, pour Béhémet trancher les lois dégradantes et qui vont même jusqu'à la peine de mort. C'est ce qui fait que Béhémet, cette personne-là, quand on lui fait les malcotes, on lui donne 39 coups, cette personne-là, quelque part, ça a l'air symbolique, mais ça rappelle quelque chose. Il faut savoir que le visage doit être vers le Tsafon, ou bien vers le Darom, c'est-à-dire vers le nord, idéalement, ou bien vers le sud, mais pas vers Mizrah et Ma'arav, l'Est et l'Ouest, puisque c'est les points cardinaux qui sont les points de la Shrina. Il faut voir, il y a des règles là-dessus aussi, quand quelqu'un veut faire ses besoins dehors parce qu'il n'a pas le choix, ou bien dans le rapprochement intime, il y a aussi une manière de diriger justement par rapport à cette réalité. Il y a des choses qui sont récitées quand on fait les malkouyot. Celui qui frappe dit « Ve'ur Rahum » et il le dira 3 reprises entières
pour arriver au nombre de 39 coups. Et celui qui prend les coups, bah lui aussi, hein, il faut qu'il prenne les coups, mais qu'il récite. Bien entendu, comme c'est symbolique, ça ne sert à rien d'esquinter quelqu'un, puisque d'abord, bah, il ne pourra pas dire ce qu'il doit dire. Mais de toute façon, ici, c'est symbolique, c'est juste pour qu'il s'éveille à la tchouva. Lui, soit répétera avec lui Veo Rahum, ou bien il dira à chaque fois Hatati, Aviti, Pacharti, j'ai fauté de manière involontaire, volontaire, pour énerver Hazbe Shalom. On ne donnera pas les coups forts. Et il y en a qui disent qu'il faudrait le faire avant Minha. Il y en a qui disent qu'il faudrait le faire avant Minha et aussi avant de s'être trempé. A priori, on n'aura pas le droit de faire la malkot à son père ou à son rave, sauf s'il le demande et qu'on trouve dans l'entourage personne qui soit là pour le faire. On prend d'habitude une peau tannée, idéalement est marqué de veau, bien entendu ce sont des minagim. Moi je l'ai vu faire, je vous dis la vérité, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a pas choqué, ça m'a beaucoup marqué, à Ville des Belles en l'occurrence, c'était, il y avait là-bas les malcottes, ils levaient un petit peu leur tichin et puis ils prenaient là-bas, et c'était bon enfant, et en même temps ça montrait qu'il y a une hachim. Donc voici pour quelques halakhot concernant le vidouille, et concernant le minag, donc de malkot arbaim, donc des 39 coups, pour la halakha, on va dire Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.